Asaptimical comme d'habitude. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour la suite de mon aventure sur le DLC de Ark. Merci beaucoup, les amis, comme d'habitude, pour le tonnerre de pouces bleus, de commentaires et d'abonnements. Et en parlant, les amis, et en parlant de commentaires, vous étiez nombreux à avoir répondu à bien évidemment à mes petites questions de la fois dernière. Vous vous souvenez très bien, les amis, que la fois dernière, on avait recapturé un nouvel œuf de Wyvern, un œuf de Wyvern de poison. Plus précisément, je vous invite à regarder l'épisode au cas où vous l'auriez loupé, parce que il y avait beaucoup de Wyvern, je me suis fait attaquer de partout et tout. Non, je déconne, je me suis pas fait du tout attaquer, au contraire, ça a été plutôt simpliste, j'ai envie de dire, de voler cet œuf, mais la question existentielle qui a été posée la fois dernière, je dirais même les deux questions, c'était: est-ce que, les amis, vous désirez que j'augmente la vitesse, bien sûr, d'éclosion de l'œuf et la croissance de Smaug? Voilà, Smaug, je vous rappelle, c'est mon petit bébé Wyvern, de couleur rouge. Alors, vous étiez nombreux à me dire non. Non, je déconne, c'est bon, vous étiez nombreux, les amis, à, je sais pas combien de pourcents, parce qu'il y a eu tellement de oui, que, les amis, je vous annonce officiellement que j'ai augmenté la croissance de Smaug et la vitesse d'éclosion de l'œuf. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Voilà, moi je suis tout excité, car ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire que très bientôt, on va pouvoir monter une bête incroyable qui est nommée le Wyvern, et qu'on va pouvoir cracher les flammes de l'enfer sur ce monde. Oui, et regardez, la preuve que ça fonctionne, ce que j'ai fait, parce que j'ai bien cherché partout comment pour faire et tout, et regarde bien comment ça monte. Alors ça monte un petit peu doucement, j'ai pas voulu mettre du style tac, d'un coup il devient adulte, non. Il faut quand même que ça monte progressivement. J'ai essayé plusieurs réglages pour voir à peu près, comment dire, qu'est-ce qui pourrait être un entre-deux entre lent et rapide. Et voilà, pour moi, je pense que le taux de progression que je lui ai mis est correct. J'ai pas mis le même pour l'œuf. J'ai pas mis 40 comme la fois dernière. J'ai mis un petit peu moins, mais ça sera aussi rapide. Parce que c'était vraiment trop rapide. Voilà, j'aime bien modifier tout la vitesse de croissance pour vous, les amis, pour que du coup ça se passe. Oula, je l'éteins. Pour que ce soit plus rapide. Ah, tiens, d'ailleurs, en parlant du frigo là. Oui, vous l'avez vu vous aussi la fois dernière. J'avais oublié d'alimenter le frigo. Et vous étiez nombreux à me le dire. Jusque Twitter, quand même. Donc merci beaucoup, les amis. Mais ne vous inquiétez pas, quand j'ai fini l'épisode, j'ai quitté le jeu. Et du coup, forcément. Ne vous inquiétez pas, heureusement j'étais pas sur un serveur, parce que le jour où je serai sur un serveur, il faut vraiment que j'apprenne à laisser les trucs allumés ou autre, à penser que quand je quitte le jeu, rien, enfin tout ne s'arrête pas, et ça va être dur d'y penser, parce que vu que je suis habitué à jouer en solo, enfin bon, on n'y est pas encore. Donc, les amis, voilà, donc l'œuf va très bien, oui, il va très bien, ne vous inquiétez pas, la petite barre verte avec le petit point rouge, c'est tout à fait normal. Ce qu'on va faire, c'est du coup, moi je vais continuer l'éclosion de cet œuf. Alors j'ai quand même envie de le voir. Après, j'aurais pu mettre... tu me diras, en fait, je pourrais voler un œuf électrique, hein. Mais ouais. Qu'est-ce que t'en dis de ça? Au pire, ce qu'on fait, c'est qu'on mettrait les deux œufs côte à côte. Donc là, en santé de l'œuf, nickel. Ok. Ce qu'on pourrait faire, à la limite, on pourrait faire ça. Parce que, du coup, quitte à utiliser mon feu de mes torches en pied, le mieux, c'est de mettre les deux œufs. Et comme je vous l'avais dit aujourd'hui... on va pas faire que de regarder l'éclosion de l'œuf et voir Smaug grandir. Au contraire, on va retourner à la fosse, bien sûr, des Wyvern. Et on va à nouveau, enfin la crevasse, et on va à nouveau voler un nouvel œuf. Alors, trouver un œuf électrique, ça va être autre chose, parce que je crois que j'en ai pas croisé. Je me souviens plus. Alors, on peut voir que, regardez, il grandit un petit peu. Regardez, il grandit bien, regardez bien. Attendez. Je sais pas si je peux vous montrer. Attendez, est-ce qu'on voit bien? Je crois que je le voyais sur le... Regardez, sur l'aile. Ben voilà, on voit que ça grandit un peu quand même, hein. On voit que ça grandit un tout petit peu, vous le voyez, hein. Vous voyez que ça grandit un petit peu. Donc en tout cas, ça fonctionne. Donc là, on est entre le R et le E, faut retenir ça, R et E, hein. Et regardez, donc je vais, est-ce que je peux vous montrer, du coup, le fait qu'il se déplace? Tu me diras, non, je vais pas vous le montrer, je sais que je voulais vous montrer le coup du fait qu'il, ouais, c'est bon, ça fonctionne. Que le fait, vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y avait un bug de sonore avec, les bébés Wyvern, c'est qu'en fait, quand ils se déplacent, ils font le même bruit qu'un adulte, voilà, mais regardez, il a quand même bien grandi, hein. Là, c'est un juvénile toujours, mais voilà, on est entre le R et le E, et j'ai l'impression que ça progresse un peu, je suis pas sûr, attendez, je vais regarder, ouais, c'est bon, j'ai vu la barre avancer, là, normalement, avec l'hélice, vous devez encore mieux le voir, donc oui, je confirme, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner du lait, parce que forcément, vu qu'il est devenu juvénile, hein, qu'il a grandi un petit peu, et bah, il peut manger beaucoup plus, donc du coup, bah, ça fait que je peux partir beaucoup plus longtemps, sans m'inquiéter du niveau de sa santé, tout comme sa nourriture, et on va donc le nourrir.
Voilà, donc il peut monter jusqu'à combien? 800. D'accord, donc il peut monter jusqu'à 800 et quand il sera adulte, ça sera 2000. Très bien. Au niveau de sa santé, il est bien, il est beau quand même. Regardez-moi ça, quoi, il est magnifique. Et sa santé, ok, ça monte, ça descend, mais dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Bon, alors Buck, mon pote, est-ce que tu es chaud? Ouh, il n'y a pas de bouffe. Est-ce que tu es chaud patate pour, à nouveau, aller voler à 9? Ah bah de toute façon je te pose pas la question, hein. T'as pas le choix. Enfin si, je lui pose techniquement la question, mais c'est par formule de politesse, j'ai envie de dire. Mais non, mais vous inquiétez pas, je ne le force pas. Je suis sûr qu'il est tout autant content que moi de repartir à l'aventure. En revanche, je vais quand même tuer quelques créatures, peut-être dans le désert autour justement des Wyvern. Normalement on a toujours la Wyvern là-bas. Enfin le Wyvern, le mâle qui est présent toujours là-bas il me semble. Cette immense bruyère de feu, très jolie, de couleur noire d'ailleurs. Et oui, il est là, il est toujours là. Alors ce qui m'embête, c'est que c'est la zone où je mine. Voilà, et il est toujours là-bas, hein. Il est toujours, bah, il vient de disparaître parce qu'il est parti en dehors de mon champ de vision. Et non, ou alors, waouh, il y a une sorte de téléportation. Et là, bim, il spawn sur ma face, tu sais. C'est un Enderman, le bordel. Mais non, non, plus sérieusement, voilà, c'est, il est toujours là. Mais c'est vrai que c'est assez gênant parce qu'il est dans une zone qui est hautement défendue naturellement. Donc je dis des bêtises, mais qui est vraiment la zone où je farm le plus de minerais. Mais j'y suis retourné la fois dernière, je suis passé derrière et puis il m'a pas vu. Donc, puis il est occupé. En fait, il y a tellement de créatures là-bas que. Moi il a pas le temps de s'occuper de moi si vous voulez. Donc bon, alors donc à 9 électriques. Alors là ça va être quelque chose. Parce que je me souvenais bien de l'œuf de poison. Je me rappelle qu'on l'avait croisé quand je commençais à chercher l'œuf de bouillard de feu. Et je me souviens qu'effectivement il était bien placé. Tandis que l'œuf électrique je ne m'en souviens plus. Et ça me fait peur. Ça me fait très très peur, quoi que je vais dire. Et parce que je sais pas si je vais. T'as pas de gelage, j'ai cru que c'était un Wyvern électrique de loin, tu vois. Et tu vois, t'as réussi à me faire peur quand même, hein. Alors que c'est lui qui a plus peur de nous, mais bon. Et du coup, bon. Voilà, du coup, ça fait que j'ai peur de, déjà d'une de pas en voir. Parce que ça peut arriver. Parce que je vous rappelle que je ne suis pas sur un serve. Donc, du coup, il n'y a pas tout qui se génère en temps et en heure. Donc, du coup, ça fait que l'œuf, il faudrait qu'il se génère maintenant, tu vois. Et je sais pas quel est le taux de spawn des œufs. Enfin, quand est-ce que les femelles Wyvern peuvent lâcher un petit œuf dans leur nid? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Quand est-ce qu'ils vont pondre? Je ne sais pas. Donc. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que vous êtes chaud? J'espère qu'ils sont chauds ici, hein, parce que là, c'est la zone. C'est la zone, les Wyvern. Et vous vous souvenez quand même, les amis, qu'on est à peine arrivé sur ce DLC et que on se faisait démonter la face par un raptor dès l'intro déjà et que on se disait, tiens, mais si un jour je crois que ça vous merde, j'arriverai jamais et tout. Blablabla. Et ben, on a réussi à démontrer qu'on pouvait toujours y arriver et ça, c'est cool. Parce qu'on serre les coudes et puis on vit une aventure magique. Et c'est génial, j'adore ce jeu, c'est vraiment un truc de malade. Je ne quitterai jamais Ark, vraiment. J'aurais jamais cru que ça allait durer aussi longtemps et que j'allais autant m'attacher au jeu. Et c'est un truc de fou. En même temps, j'adore les bêtes, j'adore les animaux, donc forcément. Bon bah voilà, c'est mes petits animaux à moi, on va dire. Bon, à part les mantis et tout que je déteste complètement. Parce que les agro, elles font très mal. Et on va aller voir, tiens, est-ce qu'il est encore là mon golem? Je crois qu'il est encore là. On va partir cette fois-ci à l'inverse. Même si je préfère que l'œuf soit là-bas. Il y a une zone où il y avait l'œuf du poison, du bouillard de poison, où il n'y avait rien du tout. Donc du coup, ça aurait été vraiment tip-top. Et on verra bien. Alors, est-ce qu'il est encore là, mon golem? Normalement, il est encore là. La chose. On n'aura pas de chose. Qui s'est fait renommer quand même. Hein. C'était le. C'est pas souvent que je fais ça. Mais bon, là, vous étiez tellement nouveau à me demander de le rappeler la chose que forcément. Et j'ai changé. Voilà. Donc, alors on a un Wyvern électrique à ma gauche. Bon, les Wyverns me font pas trop peur en temps et en heure. Hein, y a pas trop de soucis là-dessus. Je m'inquiète pas trop parce que c'est vrai que. Maintenant que j'ai Buck qui va très très vite hein, et que la chose vraiment arrive à défoncer un Alpha Wyvern tranquille. Bon, il perd quand même la moitié de ses PV. Mais ça pourrait être pire. Le Dead Worm est beaucoup plus puissant qu'une Wyvern, je trouve. Après, techniquement, pour essayer de rebuter un Dead Worm, donc un immense ver du désert, vous vous souvenez. Mais avec une Wyvern, c'est vrai que ça peut être pratique. Parce qu'on aurait des dégâts. Bon, attends, il est là, il est toujours là. Écoutez, il va très bien. Ça roule! Ça roule! Ça a l'air d'aller. Ta santé est toujours basse. Ah, d'accord, t'as pas régène. Donc, je voulais juste prendre de la viande, c'est pour ça que je suis venu le voir. Parce que je me souvenais qu'il en avait un petit peu. Donc, toi, tu vas prendre ça sur toi et tu vas me faire plaisir de jeter ces 91. Hop, de viande périmée. Parce que tu n'en as pas la nécessité. Et toi, tu vas me donner ça. Parce que tu n'en as pas besoin non plus. Voilà, très bien, merci. Ok, allez,
Petit bisou. Ok, bon, alors maintenant je vais refaire une petite ellipse les amis, parce que j'ai besoin de trouver un œuf de wyvern électrique. Et bah écoutez, bah je vous dis à tout de suite les amis, souhaitez-moi bonne chance. Alors les amis, alors non, j'ai pas encore trouvé un œuf de wyvern électrique, mais par contre c'est du gros foutage de gueule. Alors là, excusez-moi l'expression, parce qu'il faut que je vous montre un truc. Là je suis arrivé à un endroit, donc au niveau de la crevasse bien sûr des wyverns toujours. Et j'ai vu donc au loin, donc là je sais pas si vous voyez, je suis désolé, je peux pas vraiment zoomer parce que c'est très compliqué. Là on a donc un œuf de wyvern de poison, et tout en bas, alors je sais pas si j'arriverai à le montrer. Alors il faudrait que je me mette comme ça, mais c'est hyper risqué ce que je suis en train de faire. Et là donc regardez, on a un œuf de wyvern de feu, mais genre qui est surveillé seulement par 3 wyvern. What the fuck. Mais pourquoi j'ai pas eu cette chance là moi? Mais oui, parce que moi je sais pas si vous vous souvenez, il y en a au moins une vingtaine qui surveillaient l'œuf. Donc écoutez, je vais continuer à essayer de trouver un œuf de wyvern. Je vous dis à tout de suite. OMG les gens, c'est bon, j'ai trouvé un œuf de wyvern. Oh yeah. Et en plus un œuf de wyvern électrique. Et vous voulez savoir où il était? Ah, vous voulez savoir où est-ce qu'il est, je veux dire actuellement? Et bah il est à côté du nid où j'ai volé l'œuf de wyvern de poison. Holy shit. Regardez, parce que ça se voit, hein, ça se voit grave. Il est un peu plus bas par contre. Ouais, regardez, vous voyez, il est tout en bas à gauche. Il y a un petit point bleu, et ben juste là. Et là donc en face, là, ici, regardez, on a un nid qui est complètement vide, et il me semble que c'est donc celui-là où j'ai volé l'œuf de wyvern de poison. Donc bon, on a une seule wyvern du coup qui surveille, parce que toutes les autres, elles sont un peu envolées à cause de moi la fois dernière. Donc on va essayer de faire quand même très gaffe, parce que ça veut pas dire qu'une seule wyvern ne peut pas nous tuer. Au contraire, ils font trop mal. Donc on y va, allez c'est parti. Wouhou. J'arrive Coco. Oula. Pas voulu te poser hein. Oh, allez en face, oh il est tellement beau. Oh. On s'envole. Vite Buck. Wouhou. Elle arrive. C'est la maman, oui bien poison. Est-ce qu'on en a d'autres aux fesses? Ah non, elle est toute seule. Ah. Les autres sont partis à la cantine, hein. Wow, attention. On va essayer de ne pas se faire dégommer. Énorme. Énorme. Allez, hop. Salut. Et à plus. Oh, mais regardez comment l'argent t'avisse. Oh, il va se faire démonter. Attends, tu as volé mon œuf. Il fait, mais non. Ce n'est pas moi. C'est notre argent t'avisse là-bas. Mais regardez, il se fait un gros map. Oh là là, faut vraiment que je regarde devant moi, faut que j'arrête de regarder avec la caméra selfie, parce que alors là, à mon avis, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, hein, parce que elle aurait pu m'aggro, hein, cette regarde. Il y a un petit truc, ouais, mais il y a un cardon, on va pas risquer le truc. On a l'œuf qui est magnifique. Oh là là, il est beau. Niveau 3, tiens. Ah ouais. C'est marrant ça, tiens, tu vois, je pensais que c'était que des œufs de wyvern niveau 1, mais non. Ah, waouh, elle revient. Ah mais non, elle lâche pas l'affaire. Dis donc, tu me connais pas. Ça se voit que tu me connais pas, hein. Allez, salut, non. Oh, retourne chez toi. Bon, bah d'accord. Waouh, le paysage, là, il est ouf, là. Bon, ça clignote un peu, bon, ça, c'est les nuages qui bug. Mais, waouh. Ah, mais là, je peux pas la faire. Ah, attends, faudrait peut-être que je me pose, moi. J'ai le droit de me poser un peu ou pas, là? Ah, parce que t'es bien gentil, mais, il y a une autre wyvern électrique en plus. Et on se pose. Elle arrive. Vite. Oh. What the fuck. Bah lâche l'affaire alors que je venais de me... Mais ils sont vraiment débiles. Excusez-moi l'expression, mais là, je comprends pas. Moi, je me serais jamais arrêté. Ouais, tu vas me lâcher au bout de... Non, bah va me lâcher. Non, mais non, parce que moi, j'ai rien qui va me défendre contre une wyvern à la maison, là. Parce que j'ai plus mon golem, hein. Putain, j'ai encore une wyvern. C'est bon, la wyvern. Les autres, elle me lâche. Là, elle m'a lâché, mais les autres... Ah, j'ai une idée. Là, elle va me perdre. On va passer entre les crevasses. Elle ne pourra jamais traverser cette zone. Bon, au bout d'un moment, elle va lâcher l'affaire, quand même. Attends, ils ont tous appris à lâcher l'affaire. Elle, là, ça va être pareil. À mon avis, elle va lâcher. Parce que regardez, mon énergie en haut, elle est plutôt puissante, donc ça devrait aller. On va pouvoir aller très, 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 très loin. Allez, 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 je suis l'expert. Qu'est-ce que c'est que ce truc là-haut? Il y a un truc. C'est une crotte qui est restée en hauteur, je crois. Mais... Eh, mais lâche pas l'affaire. Ah, je vais... Non, mais attends, on va quand même pas devoir se balader à travers la map, là. Allez, c'est bon, là. Ça suffit, hein. Eh ben, non, mais attends, elle va me suivre jusque chez moi, là.
Attends, on va passer entre les deux canyons. Eh, mais là, c'est la course-poursuite, là. Tu peux mettre les sirènes de flics dans ta tête et tout, là. Ok, là, normalement, on va se manger la crevasse. Enfin, le mur. Enfin, le canyon. Mais qu'est-ce que je raconte, la crevasse? Le canyon. Est-ce que ça le mange ou pas? Je crois que ça a marché. Ah, 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 elle est dedans. Ah, regardez. Regardez. Ah, je sais pas si vous pouvez le voir. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Elle est partie du coup. En fait, elle essayait, elle continuait de, si vous voulez, de voler, mais elle volait, tu sais, contre la montagne, quoi. Du coup, bah, c'est vrai qu'en gros, bah, elle peut pas traverser, elle peut pas passer à travers. Mais vu que l'IA du truc, bah, lui dit pas, bah, il faut que tu fasses le tour. Et donc, il fait, non, je dois continuer, tout droit. Et du coup, bah, voilà. Bon, j'espère qu'elle va pas venir jusque là. Hein. Là, on commence à avoir des bruits de plus en plus près de chez nous. Ça me plaît pas trop. J'espère qu'elle va lâcher l'affaire quand même. T'imagines, elle passe au-dessus de chez moi. Et là, je vais pas dormir sur mes deux oreilles. Déjà que dans Ark, je dors pas. Buck, tu fais gaffe. Vas-y, on se met là. Parce que là, nous, on a rien pour l'affronter. On a absolument rien. Bon, normalement, elle devrait pas venir jusqu'ici. Ouais, je vais prendre 9. Je l'ai sur moi. Ouais, je l'ai sur moi. Ok. Bon. Alors. Ça a monté, ça? Oui, ça a monté. Il a bien grandi, la vache. Je suis désolé, je suis en stress, mais je regarde toujours. On sait jamais, parce qu'une merde qui vient m'attaquer dans ma propre base, elle bute tout. Ouais, parce que ça reste en l'air. Le seul moyen de l'avoir, c'est au lance-patate, mais j'en ai pas. Enfin, si j'en ai un, mais il est pas réparé. Bon, alors, on va se dépêcher. On va laisser la porte ouverte. Ouais, je pense qu'elle a la chaffaire. Puis elle a dû disparaître de mon champ de vision, je pense. Hop, donc les deux œufs qu'on va mettre côte à côte. Donc attention. Waouh. Oh, il est tellement beau. Elle est magnifique, hein. Et celui-ci. Voilà. Voilà ce qui se passe quand t'as envie de. Le mec, il s'en fout, quoi. Il a deux œufs, quoi. De merde, il les claque comme ça. Allez, vas-y. En avant les flammes. Il est temps pour vous. D'éclore. Voilà. Allez. Ouais, c'est bon, elle revient pas. Ça, elle a pas l'air, hein. De toute façon, elle a disparu de mon truc. Alors, donc là, donc normalement, ça devrait aller assez vite dans l'ensemble. Ça devrait aller assez vite. J'espère. Ah, je pensais que ça allait être... Il fait trop froid. Ah, d'accord. Et lui? Incubation. Ah ouais. What? Je te mets là. Et oh. Il fait trop froid pour l'œuf. Oh! Je peux pas en mettre deux. Oh là, bah, là, normalement ça devrait aller là. Eh non, je peux pas. Ah, dommage. Faudrait que je remette une torche. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, je revérifie, toujours rien. C'est que on va donc. En plus, il fait super chaud quoi. Une torche. Torche sur pied. Ah, attendez. Tadan, tadan. Bon, charge, oui. On va laisser d'abord l'œuf de poison se faire parce que c'est celui qui me tient le plus à cœur. Parce que je l'ai commencé un petit peu donc. Et là, faut voir, il fait trop froid. Eh ouais, on peut pas en mettre plusieurs. Pour en avoir qu'un, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Mais ça a l'air de fonctionner. Très bien. Bon. Ah bah non, incubation. Wouh. C'est bon. Pas besoin de remettre un feu. Bon, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pendant ce temps, donc déjà, je pense qu'il y a assez de... Ouais, c'est bon, j'avais mis assez de bûches, donc ça devrait aller. Donc là, vous pouvez constater que l'incubation de l'œuf a été bien augmentée. On le voit très bien, donc en bas, c'est marqué. Donc la barre jaune qui est en train de disparaître, c'est tout à fait normal. Donc on voit très bien que j'ai augmenté un petit peu le truc. C'est beaucoup moins que ce que j'avais fait avant. Ah, ça, je vous l'avais dit, hein, j'ai pas fait x40 non plus. Mais... Bon, voilà. J'avais quand même envie de modifier un petit peu le truc, mais pas surcheater. Voilà. Ok. Et eh bah ben, c'est parfait. Alors je pense qu'à mon avis, le temps d'arriver à une incubation plutôt faible. Et eh bah ben, je vais faire une petite ellipse et on voit bien que Smoke grandit très bien. Hein. Il grandit très très bien. J'espère qu'il va pas poser trop de problèmes au niveau de la place. Regardez, on est déjà à la moitié du truc. C'est excellent. On est à la moitié du truc. Bon, on a toujours besoin qu'il prenne soin de lui. On oublie, hein. De toute façon, c'est pas nécessaire. Et au niveau de sa nourriture, il est à 741. Il pouvait être à plus de 800, donc c'est plutôt positif. Voilà. Bon, et bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Alors, je sais pas si ça va aller plus vite, le fait qu'il fasse plus chaud. Mais j'aurais bien pris un petit peu de, voilà, de mon bois là-dedans. Je l'aurais mis là-dedans. Voilà, pour allumer.
celle-ci. Voilà, comme ça, on est sûr que l'incubation va plutôt bien se faire. Ok, bon, et bah écoutez les amis, je fais une petite ellipse, le temps d'avoir l'éclosion de mes deux œufs. Et je vous dis, bah, à tout de suite les amis. Et attention les amis, c'est bon, nous allons bientôt assister à l'éclosion de l'œuf de Weaver de poison. Alors, d'ailleurs, je regardais un truc, regardez, il y a une espèce de petit truc là sur l'œuf, c'est marrant quand même, tu vas dire, c'est le style, je pense, c'est le style de l'œuf. Et regardez, attention, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes ready? Ça va être beau. Ça va être beau. Attention. Oh là, j'ai hâte. Oh, j'ai hâte. J'ai hâte. Voir 3 Wyvern et les 3 en plus. Ça va être excellent. Bon, par contre, j'espère que ça va aller très vite. Parce que là, normalement, ça va être bon. Allez, viens. Viens au monde, mon petit. Viens dans ma famille. Tu vas voir. On s'y plaît bien. Il fait chaud en plus. Oh, mais il est trop beau. Mais il a même pas les mêmes yeux. J'ai l'impression. Ah, si, quoique. Oh, il est trop beau. Ah, je le marque. Bah oui, tu es à moi, mon bébé. Tu es à moi. Alors, par contre, j'ai plus du tout de lait. Donc, il va falloir que je me grouille pour aller farmer du lait au plus vite. Mais ça va. J'ai croisé un alpha ouvert tout à l'heure en allant dans la crevasse avec le temps. Ça va venir. Et attention, on a bientôt l'autre qui va. Alors, est-ce qu'il va venir? Enfin, suivre. Attends, on va voir un petit peu. Je suis pas assez loin pour lui. En fait, faut être super loin. Allez, viens. Suis-moi. Faut aller vraiment très loin pour qu'il puisse sortir. Ah, c'est bon, il se déplace. Vous l'entendez? Vous l'entendez marcher? Qu'est-ce qu'il fait? C'est bien, mon bébé. Bouge pas, bouge pas. Désactive la promenade. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a la promenade. Tu es à moi. Voilà, donc progression de la maturation. Et oui, d'ailleurs, Smog est passé en adolescent. Oui, ça va vite, hein. Ah ouais, non mais bon, en même temps quand tu les multiplies, forcément ça va très très vite. Et il est, oh il est trop mignon, il va falloir en trouver des petits noms, mais des noms badass hein. Attends, après Smog, oula, j'ai appuyé sur échappe, excusez-moi. Après Smog, tu peux pas donner un nom pas badass. Allez vas-y, viens toi aussi, dans la famille, tu vas voir, on est bien. Il est génial, regardez ça quoi. Il est tout beau, il est tout mignon. On va les mettre dehors hein, bien sûr, hein, parce qu'ils vont grandir très très vite. Très 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 vite et j'ai pas envie de me faire surprendre. Clairement pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Allez attention. Allez s'il te plaît. Dépêche-toi de venir dans la famille. Allez. Vite. Plus vite. Allez s'il te plaît. Rejoins-moi. Attention. Les amis. C'est l'heure. Allez. Allez viens au monde. Viens avec moi. Oui. Oh, oh les yeux. On les différencie quand même bien des yeux. C'est génial. C'est complètement génial. Je te marque direct. Oui je te marque, oui non non. Tu es mon bébé, ouais parce qu'il voulait pas que je le marque. T'inquiète pas, je m'occuperai de toi. Tout va bien se passer. Voilà. Et regardez moi ça quoi. On a un bébé Wyvern électrique. C'est génial. C'est génial. Allez viens, suivez moi. Allez vous deux. On sort d'ici. Allez. Plus vite. Venez jusqu'à moi. Venez jusqu'à moi. Ils vont me suivre normalement. Alors faut attendre un petit peu. Ça va reprendre un peu de temps. Voilà, le verre de poison. Est-ce qu'il passe la porte? Il faut que je sois encore plus loin. Ouais, on t'es chiant quand même. Ils sont chiants. Je vais voir s'il sort. Est-ce qu'il arrive à sortir? Ouais c'est bon, il est sorti je crois. Alors on va faire pareil. On va continuer, on va se mettre bien loin. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. Et on va attendre que le Wyvern électrique c'est pareil suivre. Oh, oh l'adolescence Smog, on le voit tellement bien là, regardez ça quoi. Wow. Est-ce qu'il suit l'autre? Attendez, je crois que l'autre il suit pas. Tu bouges pas toi. Ah si, il arrive. Ah non, il arrive avec du mal. Il arrive avec du mal. Alors attendez, on va désactiver la promenade. Voilà, comme ça il va suivre. Il suit? Ouais, il suit. Voilà, parce que le problème c'est qu'il a la promenade activée indirectement. Ouf, il n'arrive pas à sortir. Je vais te libérer, t'inquiète. Ah, j'ai pas envie de supprimer les torches, ça fera un souvenir quand même. Attends, on va le mettre plutôt comme ça. Voilà, allez, viens. Viens de ce côté-là, viens de ce côté-là. C'est un bébé, on va aller doucement avec lui. Oh, Smog, il est tellement grand! Est-ce qu'il arrive à sortir ou il est kiblo? Ah, il est kiblo avec une torche. Hein. Faut qu'il sorte par là, regardez.
Ah mais t'es obligé de péter la torche quoi. T'es relou hein. Allez. Et là tu vas suivre. L'autre il a réussi. Toi tu vas être le hein. Celui qui aura le plus de mal à s'intégrer dans le groupe hein. Ok. Petit bébé Wyvern. La progression elle monte vite hein, quand même hein. C'est là qu'on se rend compte du truc. Allez ramène toi. Ramène-toi! Voilà, allez. Allez, attention. Je me demande s'ils peuvent se défendre quand ils sont bébés comme ça. Je pense qu'à mon avis, non. Un adolescent, oui, mais. Est-ce qu'il va sortir ou pas? Ouais, je vois un truc bleu qui sort. Je vois un truc bleu qui sort. C'est bien! Viens là! Viens plus par là. Voilà, regarde, je vais mettre là comme ça, il va être bien. Parce que je me méfie quand même de l'alligator. Un petit malin. C'est bon. Ça ira, ça ira, ça ira. Stop, stop, stop. Voilà, donc regardez. On a nos deux nouveaux bébés. Ouais. Ils commencent déjà à grandir très vite. Mais bon, en même temps, si tout le monde me demandait d'augmenter la vitesse que... heureusement d'ailleurs. Heureusement, parce que sinon ça aurait été beaucoup trop... Oh, Smogon. T'es tellement grand, mec. Wow. Oh, t'es bientôt adulte, hein. T'es bientôt adulte. Ah, je pourrais limite te monter déjà. Ouais, c'est un adolescent quoi. Oh la vache! Putain, il est énorme quoi. Là, normalement, il peut. Il peut se nourrir et tout, je pense. Tout seul. Si je mets le lait dans le truc, normalement, bah, quoi que après, non, je pense qu'à mon avis, elle est propre. Hein. Franchement, waouh! Tu es beau. Tu es magnifique. J'ai hâte de voir la même chose pour eux. On va leur demander de pas me suivre. Et vous... De toute façon, vous avez la promenade désactivée. Parfait. Et bah voilà! Et bah écoutez! Eh ben les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oh, c'est génial. On a nos trois Wyvern quand même. Hein. On a les trois. Holy shit, quoi. Je pensais jamais avoir les trois et on les a, ça y est. Je pense que ça va faire bizarre de se dire qu'on retournera quasiment plus dans la crevasse. Enfin, si, j'y retournerai, mais en hors caméra, bien évidemment, pour farmer l'Alpha Wyvern que je ferai. Bah là, tout de suite, après avoir quitté l'épisode, je partirai là-bas. Bon, vous l'avez déjà vu et revu, donc forcément, vous savez ce que c'est. Donc, mais c'est excellent. C'est génial. Et puis voilà, regardez-moi ça. Je vous remontre une dernière fois, donc, mon bébé Wyvern électrique. Qui est splendide. Le bébé Wyvern de poison, j'adore les yeux. Oh, les yeux, c'est ce qui marque le plus, je crois, le Wyvern. Le type de Wyvern. Et. Ah oui, les écailles aussi, un peu. Regardez là, au niveau de sa tête. Regardez, ils sont pas les mêmes là. Pas du tout les mêmes. Et celui de feu, bien sûr. Le même œil que Smog. Génial. Franchement, c'est génial. Franchement, c'est excellent. Eh ben écoutez, eh ben les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs. Quand t'as tes 3 rounds comme ça, t'es hyper content. Enfin, personnellement, je suis super heureux. Merci en tout cas du fond du cœur de votre participation et de tous les likes. Donc justement, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je dirais même, faites-la exploser cette barre de pouces bleus vraiment pour ces 3 Wyvern complètement magnifiques. Et n'hésitez pas aussi également à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à la partager. Ça fait toujours plaisir, les amis. Et surtout, merci beaucoup de votre participation à travers les commentaires. C'est grâce à vous, du coup, que j'avance à fond dans l'aventure. Et j'aime vraiment vivre cette aventure avec vous. Et c'est ça qui est génial. En tout cas, merci à tous, les amis. Je vous dis à très bientôt pour la suite du DLC 2. Ah, que tiens, tiens. Oh, les amis.